Bonsoir. Merci pour cette invitation pour ce soir. Alors, je m'appelle Laura Hubert, donc je suis restauratrice de peinture et régisseur des œuvres d'art de formation. Le cœur de mon activité professionnelle, de mes fonctions, c'est la préservation du patrimoine culturel. Donc c'est ce qui guide mon activité professionnelle. Je travaille donc dans le domaine de la conservation-restauration des œuvres d'art, qui va concerner tout ce qu'on entreprend pour sauvegarder le patrimoine culturel, quelle que soit la typologie des objets sur lesquels on intervient, qu'on va restaurer si l'objet est abîmé, ou bien tout ce qui va concerner la conservation préventive des collections, qui consiste à prévenir en fait les dégâts qui arrivent sur le patrimoine. Je travaille également en régie des œuvres, qui concerne finalement tout ce qui va être la logistique autour des œuvres d'art, des objets d'art, du patrimoine, pour quelle que soit leur vie, leurs circonstances, par exemple lors d'une exposition, tout ce qui va concerner l'organisation du mouvement des œuvres, du déplacement des objets pour être exposés dans un lieu culturel. Mon activité professionnelle à l'heure actuelle, elle est scindée en deux. Donc, je travaille à la fois pour le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en tant que salarié, donc sur un poste à mi-temps, pour un musée municipal, donc dans un contexte public. Et à la fois, je travaille en tant qu'indépendante sur mon deuxième mi-temps. Donc là, je navigue entre plusieurs instituts culturels ou bien des entreprises privées ou des particuliers. Voilà, je change de contexte selon la commande où je viens compléter des équipes sur la deuxième partie de mon mi-temps. Alors, au niveau de mon parcours depuis le master et un petit peu avant, oui, effectivement, j'ai toujours souhaité travailler dans ce domaine-là, aussi loin que je m'en souvienne. Et à l'issue de mon bac, j'ai souhaité finalement me diriger vers un métier. Mes aspirations, c'était ça. Me diriger vers un métier qui allie à la fois mon intérêt pour l'histoire de l'art et tout ce qui concerne l'historique, on va dire, du patrimoine, mais aussi qui soit au contact direct avec les œuvres, qui soit un savoir-faire finalement que je puisse avoir au quotidien dans mon travail. Donc la restauration me paraissait répondre assez bien à ces aspirations et c'est avec cette idée-là que je me suis formée, d'abord en licence d'histoire de l'art et en atelier privé en parallèle et ensuite en atelier à la restauration. Que j'ai commencé à pratiquer au moment où je me suis inscrite en master régie des œuvres d'art et médiation de l'architecture et du patrimoine. Parce que je me suis aperçue que finalement la restauration intervenait à l'échelle d'un objet et que dans le contexte actuel du monde de l'art, on était bien plus efficace si on envisageait la préservation du patrimoine à plus grande échelle. Et qu'un master comme celui que j'ai suivi répondait à ce besoin. Et donc je me suis inscrite dans ce master avec le souhait de me former aussi à la conservation préventive, à la régie, et donc d'élargir finalement le premier métier que j'avais choisi pour pouvoir avoir des compétences à proposer ensuite dans mon futur professionnel. Et pouvoir cheminer en fait dans le domaine que j'ai choisi du patrimoine. La restauration, il y a très peu de postes qui existent, très très peu, donc c'est un travail qu'on pratique en indépendant. Donc ça veut dire ça dès le début, ça c'est comme ça. Donc ça veut dire aussi créer une entreprise, créer une activité professionnelle de toutes pièces, et c'est un chemin assez long aussi sur lequel s'engager. Donc j'avais envie de pouvoir aussi postuler à des postes, donc élargir mes compétences pour pouvoir répondre à ça. À la suite du master que j'ai suivi, donc j'ai fait un stage de fin d'études au musée de Bègles,
Et le musée m'a embauchée ensuite pendant quelques années sur l'émission, une émission. Et donc du coup, ça m'a permis de voilà, j'ai appris la polyvalence à ce moment-là, ce que ça voulait dire réellement, puisque c'est une petite structure avec une équipe de 3-4 personnes. Et donc un rythme de travail intense qui fait repousser les limites de ce qu'on sait faire et donc acquérir encore d'autres savoir-faire, d'autres compétences. Donc ça a été assez formateur. Après, j'ai continué à travailler en tant qu'indépendante et j'ai rejoint l'équipe du Musée des Beaux-Arts sur donc, ce poste à mi-temps. Aujourd'hui, en fait, par exemple, pour vous donner un petit peu une idée concrète d'une semaine de travail pour moi, lundi, mardi, je vais travailler au Musée des Beaux-Arts. Là, je vais intervenir, par exemple, on est en train de préparer la prochaine exposition. Donc, ça veut dire en amont vérifier les œuvres qui vont être exposées, dépoussiérer, refixer s'il y a des petites altérations, préparer en fait les œuvres à l'exposition. Ça veut dire aussi, pour moi, participer avec d'autres services, par exemple, à l'élaboration du plan de sauvegarde du musée, donc qui va être conçu en collaboration avec le service bâtiment, avec les pompiers. Voilà, donc c'est des missions qui vont être transversales aussi à d'autres services. Ensuite, mercredi, jeudi, je vais intervenir pour un musée qui va m'embaucher en tant que prestataire pour restaurer un objet en particulier qui a été abîmé, là notamment pour un objet qui a subi une attaque d'insectes. Donc je vais venir intervenir sur cet objet précisément, sur cette demande. Et vendredi, je vais intervenir pour le Fonds régional d'art contemporain qui souhaite avoir formé son équipe à la pratique du constat d'état. Le constat d'état, c'est vérifier l'état d'un objet à un instant T. Pendant une exposition, par exemple, on vérifie que l'objet est en bon état ou pas. On consigne en fait l'état de l'objet et à chaque étape, on vérifie si cet état est toujours le même. Quand l'objet repart chez le prêteur, par exemple, on vérifie ce document. Donc l'équipe a besoin d'élargir en fait ses compétences là-dessus et va faire appel à moi pour apporter ce que je peux à cette équipe. Voilà, donc c'est assez diversifié, je ne m'ennuie pas, voilà, c'est intense. Et ça me demande aussi une organisation précise pour pouvoir passer d'un sujet à l'autre et apporter ce que j'ai à apporter à chaque fois. Merci. J'hésite à vous poser une autre question. Donc vous m'aviez dit, lorsque nous nous sommes entretenus, que votre action était différente selon le type de commanditaire et que vous étiez confrontée à des problématiques bien différentes. Je ne sais pas si on peut aller sur ce terrain-là. Oui, bien sûr. Oui. Alors, effectivement, travaillant à la fois pour dans un contexte de municipalité et public et travaillant à la fois pour des entreprises, ponctuellement des entreprises privées ou des particuliers, c'est vrai que le contexte change à chaque fois. On n'a pas les mêmes enjeux, que ce soit une entreprise privée ou une collectivité territoriale. Moi, en tant que professionnelle, je m'adapte. Il faut s'adapter à chaque fois aux contraintes des uns et des autres, qui ne sont pas les mêmes. Donc, dans une collectivité, je vais aussi intégrer une équipe. Enfin, je suis intégrée à une équipe, donc je travaille aussi en collaboration avec d'autres agents. Quand je réponds à une commande, j'ai beaucoup plus d'autonomie, en fait. Je suis un élément extérieur qui vient participer à un projet. Et donc, effectivement, je n'ai pas le même positionnement. Ce n'est pas un travail de fond, c'est un travail ponctuel. Ça change, en fait, le visage de ce que je peux proposer et des moyens, en fait, qu'on dispose pour le faire aussi.
Alors, pour l'accès à l'emploi en restauration d'œuvres d'art, ça se fait en atelier individuel, en indépendance. Donc, ça veut dire, quand on s'oriente dans ce domaine-là, qu'on crée une entreprise, hein, donc avec tout ce qui implique la gestion d'une entreprise, apprendre à faire sa comptabilité, apprendre à démarcher, apprendre à créer ses outils de communication. Voilà, là, on est vraiment dans le cœur du travail indépendant, au-delà des compétences propres en restauration. Donc, il faut être prêt à élargir et à passer toutes ces étapes qui ne sont pas toujours faciles et parfois un petit peu solitaires, et qui ont aussi l'avantage de permettre d'avoir un métier où on est très libre de ses choix, de ses actions, et donc ça va avec la polyvalence qui est nécessaire de l'indépendant. En conservation préventive, en régie des œuvres, là, c'est beaucoup plus large les domaines d'intervention. Donc, on va intégrer une structure, par exemple, une structure publique, où on va passer par les concours de la fonction publique pour vraiment avoir un emploi pérenne, ou bien des entreprises privées, donc là, sur la forme des contrats courts ou contrats en CDI. Sachant que les domaines d'activité sont bien plus larges en conservation et en régie, puisqu'on peut travailler pour une structure qui gère une collection archéologique, ou bien pour une fondation d'art contemporain. Enfin, voilà. Donc on a beaucoup plus d'employeurs potentiels, finalement. Alors pour moi, pour tout ça, ce qu'il faut, quand on s'oriente dans ce parcours-là, c'est surtout être endurant. Voilà, c'est vraiment l'endurance, parce que l'accès à l'emploi, il est complexe, il n'est pas facile. La reconnaissance au niveau des emplois, elle est pas très bonne. Enfin, bon, c'est mon avis, hein. Elle est carrément pas bonne. Passer par des concours, c'est beaucoup de travail en plus de intégrer une équipe, etc. Enfin, voilà, il faut se battre fort. Il faut savoir que on va être confronté à des difficultés pour avoir un boulot qui dure, qu'on nous demande beaucoup de compétences ajoutées. Donc il faut être curieux aussi curieux. Il faut s'attendre à ça. Mais que c'est aussi un domaine d'activité qui est très enrichissant personnellement, qui permet de à mon avis, de s'épanouir dans ce qu'on fait. Voilà, il y a toujours une contrepartie, et la contrepartie, c'est qu'il faut être tenace et avoir envie de dépasser ces obstacles de cet accès à l'emploi en sachant pourquoi on va dans cette direction-là. Quand on a des moments plus difficiles, ça aide.